Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Je vais vous montrer comment on réalise cette cape. Donc on a 6 parties en fait que l'on travaille. Et je vais montrer donc aujourd'hui comment on le réalise. Et pour ça j'ai un peu de la laine Woolly Hux. Donc j'ai la couleur 4, voilà, bubble cotton. Et je vais travailler avec un crochet 4 mm. Et donc on va pouvoir y aller, c'est parti. Donc on commence toujours de la même manière. Donc on va travailler sur le début, donc cette partie qui est le travail. Et je vais faire 45 mailles. Donc une chaînette de 45 mailles. Je travaille large, enfin, pas trop serré, hein. J'ajoute les mailles pour la hauteur. Et donc là, je vais faire sur chaque maille une maille serrée. Donc c'est la première rangée, donc c'est assez répétitif, c'est assez long. C'est vraiment très important quand on réalise ça, d'avoir, ne pas avoir travaillé trop serré, parce que ça nous permet de faire quelque chose de quand même beaucoup plus... c'est plus simple à travailler, sinon ça, vous allez le sentir, hein, ça sera beaucoup plus compliqué, ça glissera moins.
on est arrivé au bout de la rangée, donc on va commencer donc notre deuxième rangée. On va faire deux mailles en l'air pour la hauteur. Je vais faire un jeté et je vais piquer ici la première maille. Une. Je viens de réaliser donc une bride. Je fais une 3 mailles en l'air. Et je saute 3 mailles et je vais crocheter dans la quatrième. Et je vais faire une maille serrée. Donc ensuite je vais réaliser donc 5 mailles en l'air. Je saute encore 3 mailles. Je vais crocheter donc dans la quatrième maille. Et encore 5 mailles en l'air. 3, pardon. On laisse 3 mailles. Et on fait une maille en l'air, une maille serrée. Donc voilà. On fait ça jusqu'à la fin. Donc 5 mailles, oui, donc je lève 5 mailles. On va piquer donc dans la quatrième maille ici et on va faire une maille serrée. Et on fait 5 mailles encore. On pique dans la quatrième maille et on crochète une maille serrée. Donc jusqu'à la fin. Et à la fin, 3 mailles en l'air. Et donc je vais faire du coup un jeté. Je pique, je prends mon fil. Et encore un nouveau. Donc voilà, je fais des brides pour terminer le travail. Et là donc en fait je relève 3 mailles sur mon crochet maintenant et je vais passer mon fil à travers les 3. Du coup on a 11 mailles en l'air. Ok, donc on arrive à la troisième rangée. Là je travaille avec une maille en l'air et je vais faire crocheter donc une maille serrée, donc la première maille. 5 mailles en l'air. Une maille serrée directement au-dessus donc de ma maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air. Donc là encore 3
3 mailles en l'air. Et là, de nouveau 2 brides à ce niveau-là. Une maille en l'air et des brides. Et de nouveau 3 mailles en l'air. De nouveau 3 mailles en l'air, une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides. Ensuite 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée. 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la maille serrée de la rangée précédente. Et ainsi de suite. Et de brides. Ensuite donc 3 mailles en l'air et on fait sur notre maille serrée notre maille serrée. Bride, une maille en l'air et on crochette 2 brides. Ensuite 3 mailles en l'air et sur la maille serrée, donc précédemment rangée précédente, une maille serrée, ensuite 5 mailles en l'air. Une maille serrée. Donc on arrive avec notre quatrième rangée. Donc je commence de nouveau avec 2 mailles en l'air. Et au bout des 5 mailles en l'air, on fait une maille serrée. Donc 5 mailles serrées, mailles en l'air. Et là, là où j'ai ces 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. Ensuite, 3 mailles en l'air. Donc une maille en l'air et on fait nos brides. 3 mailles en l'air et ensuite on fait une maille serrée sur nos trois mailles en l'air. Donc là, on fait 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée à partir donc de ces 3 mailles qu'on avait fait de la maille d'avant, encore maille 3 mailles en l'air. On va aussi faire notre maille serrée à ce niveau-là. Et encore
le bride, maillon l'air, bride. Donc là de nouveau, 3 mailles en l'air. Là je réalise ma maille serrée ici. 3 mailles en l'air. Là je réalise ma maille serrée. Donc chaque bloc de mailles en l'air créé dans la rangée précédente, je vais donc faire la maille serrée. Donc voilà ce que ça nous donne. Une chaîne de 3 mailles. La deuxième. Je la fixe. Troisième. Je fixe avec une maille serrée. Comme effectué précédemment. Deuxième. Là, quatrième. Cinquième. Et on y est de nouveau à 2 brides. Une maille en l'air et 2 brides. Pour finir la rangée. Ensuite, 3 mailles en l'air, une maille serrée au niveau des mailles en l'air, donc ensuite 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, et là où je fais 2 brides à ce niveau-là, et ça nous fait déjà quelque chose, une belle petite dentelle. Donc on arrive à la cinquième rangée. Donc voilà, c'est fait. Donc on est à la cinquième rangée, donc une rangée irrégulière. Donc on fait 5 mailles en l'air. Ici donc je saute, parti, et je vais dans ce bloc là. Et je fais une maille serrée. Ensuite de nouveau donc 5 mailles en l'air. Et une maille serrée et au niveau des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Ensuite 3 mailles en l'air et encore on travaille sur les mailles en l'air de la rangée précédente. Une maille serrée, enfin deux brides pardon. Une maille en l'air et 2 brides. Et on continue donc 3 mailles en l'air et une maille serrée sur la chaîne de la rangée précédente. Et on continue, hein. On répète les mêmes
fois la même chose. Et ensuite de nouveau deux brides. Une maille en l'air et encore deux brides. Ensuite, on recommence. Et une bride et puis maille en l'air, on a nos quatrièmes. On va serrer trois mailles en l'air. Six fois. Et on arrête de nouveau deux brides, une maille en l'air, deux brides. Et ça continue. Premier, deuxième. Du coup, comme je rappelle, c'est quand on fait maille serrée et puis ensuite 3 mailles en l'air et 1 maille à serrer. On a 6 en tout à réaliser. Et quand les 6 sont terminées, on fait 2 brides, 1 maille en l'air et 2 brides. Mes motifs donc en l'air et serré et on fait 6 fois et de nouveau deux brides, une maille en l'air et deux brides. Et donc là on arrive à la fin. On fait donc trois mailles en l'air et une bride. Au niveau de la... On va fixer sur celle de... La maille serrée sur celle de la maille de la rangée précédente. En l'air et une maille serrée à ce niveau-là. Donc on voit hein, le motif qui se construit et ça continue avec la sixième rangée. Donc la sixième rangée c'est droit, hein, donc on fait deux mailles en l'air pour la rangée et la première maille j'ai fait une bride. Ensuite trois mailles en l'air et ici donc de ce premier bloc une maille serrée. Ensuite cinq mailles en l'air. Et ici, dans ce bloc, une maille serrée. Ensuite, encore 5 mailles en l'air. Et là, j'arrive et je réalise une maille serrée dans ce bloc. Donc, j'arrive au niveau des deux brides. Bloc, premier bloc, deuxième, troisième,
quatrième, cinquième, sixième, septième. Et donc là, on arrive avec nos deux brides, mailles en l'air, deux brides. Et après, on continue et on va se retrouver ici. Voilà, donc ça c'est la fin de la première partie, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions et on se retrouve donc du coup pour la deuxième partie de ce travail. À bientôt! Salut!